Le grand nettoyage a débuté à l'école de Cugnot dans le 18e arrondissement. Les agents désinfectent les salles de classe, les toilettes, la cour de récréation pour que tout soit prêt avant la reprise des élèves. On fait toutes les surfaces de contact. Ce qu'on appelle surface de contact, ça va être toutes les poignées, les interrupteurs, les tables, les chaises, les sols bien sûr, mais à la fois les porte-manteaux, tous les points où on peut mettre les mains, où on a pu mettre les mains. Aération des locaux, nettoyage continu et désinfection après chaque échange de matériel entre enfants. Le maire veut se montrer rassurant, toutes les mesures seront respectées. Il y aura un nettoyage quotidien dans le respect du cahier des charges qui a été fixé par le ministère pour faire avec des agents qui seront là tous les jours pour faire en sorte qu'on puisse nettoyer tous les jours les tables, les chaises, les réfectoires. Comme partout en France, les élèves de cette école se plieront au protocole sanitaire. Distanciation physique d'un mètre, 15 écoliers maximum par classe et des récréations alternées. En France, plus d'1 million d'élèves devraient revenir en cours.